لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمير الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طول وانشو الله سبحانه وتعالى في الدنيا التوفيق في الدنيا الوكاجون يمت نو بيزانس وصباب الحمد في الله. سو جيزو كنو علي كنكو سين كيامت تل سين فيني باريت تل سين فيني باريت تل سين فيني باريت. نبي تنكو الله سبحانه وتعالى كي بجد القرآن اقتربت الساعة سابيا سلا اقوب دو سورة قمرا خمي آيات من اقتربت الساعة کہ لوگوں قیامت قریب آ پہنچے کہ منجمل دویموں قیامت پہ آ پہنچے قیامت پہ بلی الی حق سے اللہ سکاول اے دویموں سمنجمل کی بے کوزیلا دویموں سین قیامت بلی پارے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رپوتی یہ انفال شنطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیہ کی قومی من سین قیامت اللہ کو علیف علم اللہ کو علیف کنیسانس اللہ کو علیف دیدکاشن کنیسانس دید et ignorance augmentée. Du monde, pas beaucoup de moyens pour dire je ne connais pas. Dans ce pas de moyens ici, je ne connais pas même plus connu. Donc, je déclare plus connu. Zina, or, Zina avec la boisson ou en feu. On a beaucoup zina, on a beaucoup agilité, on a beaucoup pour commettre agilité et beaucoup pour commencer à consommer la boisson alcoolique. Ça aussi, un style kayamet ça. Puis devant le hadith là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que nous, man méché, pour diminuer. Et nous, man madame, pour augmenter. Le sac en latin en monsieur pour la 50 madame. Sa quantité là, madame, pour augmenter. Ça aussi, c'est un kayamet. Et ce hadith là, il trouve dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Dans notre hadith, Hazrat Huzaifa bin Asir Bukhari, radiallahu ta'ala,
rapporté qu'une fois, les spécifiquement Sahaba, je peux discuter, je peux cause d'un sujet. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux tenter attentivement. Oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux me demander, le qui je peux causer, le qui topic je peux causer. Man Sahaba là, qui répond, je peux causer concernant Qayamat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit que tant que je vais trouver sa mansila, Qayamat va arriver. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il mentionne sa mansila. Premier là-dedans, la fumée. Prenez grand la fumée qui peut apparaître. Deuxième, Dajjal. Dajjal peut faire son apparition. Troisième, Daba. Daba, c'est une créature Allah subhanahu wa ta'ala qui personne jamais fait de trouver. Et il vous vient de la terre de son main Pouena Asa Hazrat Moussa et Pouena Bak Hazrat Suleiman alayhi salatu wassalam. Avec sa Asa, un bâton, Hazrat Moussa là, il vous met une créature, une lumière, une nour, le tout man musulman se trouve. Et avec Bagla, avec Bak Hazrat Suleiman alayhi salatu wassalam, il vous met noir, il vous met un point noir, le man kafir, le man chikipanamen iman. Et quatrième point, quatrième signe, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, que le soleil pour lever le contraire. Le soleil lève côté l'est et couché côté l'ouest, si vous ne pas trompé. Prenez un jour, un seul jour, que le soleil vous lève côté l'ouest et vous couchez côté l'est, sur les contraires. Un seul jour. Ça aussi, un signe Qayamat. Cinquième, Hazrat Isa alayhi salatu wassalam vous apparaît, vous descendez de la terre. Et sixième, Ajuz, Majuz, vous faites sur l'apparition. Ajoud, Majoud, c'est un Aulad, c'est un enfant de Hazrat Adam, alayhi salatu wassalam. Qui, citant les grands, citant les noms, quand la mer pour plus fond, ce genou pour s'affondre, pour tous s'affondre là. Citant les grands. Grands. Et, lui vous sème un cas de panique dans la terre, et vous commence à manger du monde. Et pour moi, soit beaucoup de dégâts dans la terre. Septième, huitième, neuvième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a trois tremblements de terre. Un côté l'est, un côté l'ouest, un d'un pays arabe. Trois tremblements de terre. Et dixième, signe, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, qu'il y a un divé. Il faut sortir d'un pays Yémen. Il faut emprisonner Mandimoun d'une façon qu'il faut pousser vers Moulkesham. Moulkesham, c'est la Syrie. Il faut emprisonner d'une façon qu'il faut pousser vers Moulkesham. Dans notre rivière, on comprend que ça dit là, il faut sortir d'un endroit appelé. Vous êtes dans un endroit dans le Yémen, appelé Aden. 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 Et il vous pousse tout le monde vers le lieu du rassemblement. Et dans notre rivière, nous comprenons que quand Qayamat vous prête, on a un divan si tant violent qui vous pousse tout le monde dans la rivière. Et ce hadith-là, il trouve dans Mushkat Sharif et Muslim Sharif.
دمت حديث أسد أنس رضي الله تعالى عنه أبوتي كي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا كقيامة وأبوجي كقيامة أخرى أبنا جمون بقى الله سنو الله الله ولا نهي هوا أبنا جمون كي بقى الله سنو إسا حديث لا لكوب دمشق شريف كي أبو داود الله سبحانه وتعالى في جد القرآن رسول الرحمن كل من عليها فان كي توقف فيني توقف أبوت الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إزيز ذات إزيز الله سبحانه وتعالى في مستي حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جاءت حديث كي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر كما دجال بيتي ما دجال ما في ذكر دجال دجال أو في نولاتير يبو دبالي ليم جي يبونا أنسل جي يبونا لون شوفي avec lui on a jannat et jahannam que en vérité ce jannat du jahannam et ce jahannam du jannat et il vous fait beaucoup marcher de la terre il vous fait la pluie tomber il vous fait les légumes pousser il vous lève du moins mot il vous fait croire qu'il aime Dieu et le saufron on a carféré qui signifie kafir, qui existe man musulman qui vous trouvez. Et ce hadith-là, il trouve dans Mishkat Sharif. Dans notre hadith, Hazrat Sa'id bin Khudri, radiallahu ta'ala, rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une cause concernant Hazrat Imam Mahdi radiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinjir Imam Mahdi ibu debit so awlad li da so generation et yena en font loge bien loge et li pena en na lumière en roshni en nur da so fond et li bena en nene hut il vous prend des sens et quand du moins vous connaissez qu'il y a Imam Mahdi on prend dans l'asla qui ou jour ou mois Ramadan et man du moins vous faire tawaf et kaaba et jis salera jis man awliya Allah qui pourrait connaître l'imam Mahdi radiallahu ta'ala et je crois bien à toi oui il pourrait fuser et là la voix des pirates la voix des pilins invisibles pour dire pour annoncer l'imam Mahdi Allah subhanahu wa ta'ala pour dire que c'est lui-même l'imam Mahdi radiallahu ta'ala et écoutez ce qu'il peut dire bien le khalifa Allah subhanahu wa ta'ala écoute ce qu'il peut dire et prend bien à toi et puis tout le monde prend bien à toi et du coup gouverne la terre pendant 7 ans tout le monde peut suivre lui par jusqu'à Moulkecham vers la Syrie ce hadith là il trouve dans Mishkat Sharif Allah subhanahu wa ta'ala et nous faire ressortir que tout ce qui nous en prend là Allah subhanahu wa ta'ala sa parole et Rasulullah sallallahu ta'ala sa parole pena fos pena mon sinon il a donc pena tout référence me dit tout mon livre hadith me dit Allah donne nous tawfir pour préparer nous au jour qayamat avant de terminer Et là, je vais dire la base, je vais dire comme un ayat, le 5 ayamat,
une ailleurs, il ne faut pas rappeler justement, c'est mon rappel sur conciliation, qui le surah Muhammad, c'est moi. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire une cachette moment qui a jamais pu venir, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire qui je ne pas voir tant un coup en trait qu'a jamais pu venir. Un coup en trait. Allah donne le tawfir pour faire mal de ce qu'il n'en prend et propage aussi ce qu'il n'en prend ici aujourd'hui. Au passage du chemin, à cause de la cause du chemin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.